second. But it's quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guy. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la manche 15 du championnat 1999 Formule 1 sur la Formula 1 99. On va partir du coup la qualification sur le circuit de Sepang. Donc c'est parti. Et là, je vais pas me tromper. Ce tout nouveau circuit malais est la dernière née des pistes de Formule 1. Ses longues lignes droites et ses virages serrés séduiront les pilotes avides de sensations fortes. Voilà, donc comme il explique, alors qu'il y a l'impression qu'il fait de moins en moins beau sur le circuit, c'est le circuit de l'année 99, c'est-à-dire le nouveau circuit qui arrive du coup en Formule 1, le Grand Prix de Malaisie avec le circuit de Sepang, un circuit qui a plutôt fait une humanité quand il est sorti à l'époque, enfin quand il est sorti on dirait un jeu, quand il est apparu à l'époque, et peut-être on trouvait ça plutôt correct comme circuit. D'ailleurs, il est resté quand même longtemps hein, au calendrier, puisqu'il faut compter jusqu'à la saison 2018 pour que le circuit soit présent. C'est un circuit qui a beaucoup souffert un peu plus tard de l'arrivée de Singapour. Puis en plus, les dates étaient assez rapprochées, alors que c'était pas forcément le cas au départ. Et le fait qu'il y ait d'être rapproché sur des situations géographiques étaient quasiment les mêmes. Hein. Faut savoir que le circuit de Kuala Lumpur, de Sepang, et le circuit de Singapour sont à peu près éloignés de peut-être 100 km. Donc c'était vraiment pas grand chose. Donc quand j'ai 100 km, ça se trouve c'est encore un peu moins. À pas confondre avec le circuit de Johor qui est encore plus près d'ailleurs, Grand Prix de Singapour. Et voilà, donc du coup, un circuit qui était tout nouveau, tout propre, en mode ultra moderne, des pistes assez larges, un petit peu de vallonnement, etc. Et c'était quand même un circuit intéressant. Donc nous allons voir pour les qualifications du coup. Ce que ça va donner. Alors je me suis pas entraîné du tout hein. Par contre pour les qualifications, en général ça je m'entraîne pas spécialement trop avant, mais bon, juste pour voir s'il n'y a pas trop de bugs sur le jeu. Donc voilà, on a découvert un tour de ce circuit. C'est parti. Alors je vous rappelle qu'on joue le titre constructeur, hein. Titre pilote c'est bon, normalement on est champion. Maintenant il y a le titre constructeur et ça va être beaucoup plus compliqué parce que franchement. Aller chercher deux pilotes McLaren qui marquent des points contre une semi-hardy, ça risque d'être assez tendu. Il a atterri dans l'herbe. Alors c'est un circuit que à l'époque quand le jeu est sorti je ne connaissais absolument pas. Il était assez difficile, maintenant ça va, hein. Il est quand même. Depuis des années quand même il est assez connu. Il n'y a pas trop de. Pas trop de... Oui. Et puis c'est un circuit qui a pas trop bougé, mine de... Aïe aïe aïe, ben voilà, j'ai tapé. Du coup il va falloir refaire un tour. J'ai dit, c'est un circuit qui a quand même pas trop bougé, hein, entre 99 et 2018. Il y a quasiment les mêmes bacs à gravier, les mêmes... Il n'y a pas eu trop de changements, c'est un circuit qui a pas trop bougé. C'est un circuit qui pourrait maintenant être considéré presque comme un circuit à l'ancienne, alors que lui à l'époque c'était totalement l'inverse. Alors par contre ce double droite il est assez compliqué, voilà, faut pas trop accélérer trop tôt. Voilà, j'en profitais du coup, bon vous l'avez vu, hein, je profite un petit peu de cette série pour faire un peu le point sur la chaîne. Le fait que voilà, les pas longs F1 comme je l'ai expliqué sur le Discord c'est terminé. Alors c'est terminé dans ce format là, attention, l'interprétation c'est pas que je ne parlerai plus de Formule 1, loin de là. J'ai le 11e temps, je pense qu'on va de faire mieux quand même à 6 secondes 2. Le but est de trouver peut-être un format un peu différent, qui soit beaucoup plus facile à sortir, et qui surtout soit un peu plus dynamique. Donc je n'ai pas pris de décision encore, mais si Parlons F1 c'est terminé, ce n'est pas la fin d'émission sur la Formule 1,
C'est juste une réorientation du format. Voilà. Aussi, j'ai aussi le préciser, mais il y a l'arrêt du championnat GTR2 de BTCC qui va peut-être être remplacé par une autre saison de DTCC ou alors carrément remplacé par un autre jeu. Parce qu'en fait, je pense que j'ai vu trop long. Pour ce genre de format, en plus les circuits des courses sont assez longues, et du coup faire la saison 95, 96, 97, 90, 99 comme c'était prévu, voire même 2000, ça aurait été trop long. Donc du coup j'ai pas d'intérêt à faire ça. J'ai gagné 4 secondes. Je pense que l'IA elle est vraiment aux fraises hein, par contre. Alors c'est qu'on est. On n'est pas à la fin de la qualification, du coup les voitures ont pas forcément fait de tour. Mais quand même, 4 secondes dans le deuxième secteur. Non voilà, donc c'est pour dire que. Une émission disparaît, mais ce n'est pas, la fin du monde, hein, de toute façon, hein, je pense que vous allez très bien vivre sans. Les autres émissions qui continuent, il va y avoir des nouveaux formats, donc voilà, la chaîne vit toujours, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il faut un peu de changement pour peut-être avoir un peu plus de gens intéressés. Deuxième temps, on va voir la fin des qualifications, mais je pense qu'à mon avis, on va partir très loin, 11e. Allez, là, ça commence bien. On devrait faire nuageux, je vais garder le setup que l'on a actuellement. Donc c'est parti. En pole position, Eddie Irvine. Près de lui se trouve David Coulthard. Et en troisième place, nous retrouvons Michael Schumacher. En quatrième, Mika Häkkinen. En cinquième place, Damon Hill. En sixième place, Heinz Harald Frentzen. Septième place, Rubens Barrichello. En huitième position, Ralf Schumacher. Neuvième place, Jean Alesi. 10e place, Giancarlo Fisichella. 11e position, Stéphane Sarrazin. 12e place, Johnny Herbert. En 13e place, bon, pas trop de. Pas trop de. Position, Jarno Trulli. Une grille plutôt classique. J'en en mets toujours ma place, bien entendu. 16e place, Pedro Diniz. 17e place, Alexander Wurtz. En 18e place, Ricardo Zonta. 19e place, de Rose de Minardi, du classique pour le moment. Alors que le départ va être donné. Et donc c'est parti pour ce départ. Circuit de Sepang en Malaisie. Alors il n'y a pas de Petronas partout, ça m'étonne un petit peu. Parce que normalement c'est le genre de circuit qui a ce sponsor un peu toutes les sauces. Hein. Oh, je me suis fait sortir par la BR au freinage, c'est magnifique. Violent. On va repartir dernier. Un départ assez misérable. On va essayer de se sauver pour l'autre partie du circuit. Je pense que l'IA va être beaucoup plus lente dans la deuxième portion parce que le premier virage c'est impressionnant comment elle va vite. Ça sent que le jeu a été fait avant que le. Je pense que le jeu est sorti avant que la course de Malaisie ait eu lieu parce que au niveau d'IA c'est complètement. Je suis complètement aux frais. Regardez, le temps que je le reprends dans les courbes. Peut-être que j'ai un setup différent aussi, mais le premier virage dans la vraie vie il se passe quand même beaucoup plus lent, beaucoup plus lentement. D'ailleurs dans la vraie course en 99, il y avait le retour de Schumacher. Il y a le retour de Schumacher qui replace Salo, d'ailleurs je pense que Salo, j'ai pas fait attention, mais Salo n'a pas été remplacé par contre en fin de saison par... n'est pas revenu dans ce jeu, donc ça conforterait la position de dire que le jeu est sorti avant la Malaisie. A savoir que j'ai une version en bêta du jeu, mais que je n'arrive pas à faire tourner plus loin que le menu. Et qui date, je crois, d'août. Donc normalement, oui, effectivement, le jeu n'est pas à jour. C'est pour ça qu'on aura, à mon avis, encore Salo dans le classement. Alors, on va essayer de faire de la BAR. Bon, on remonte pas très rapidement, mais on remonte. C'est déjà ça. Oh, à quelle vitesse ils prennent l'épingle. Ouais, c'est bon, ça passe. Oh mon dieu, le dépassement que j'ai fait, la 4 voitures d'un coup. Et dans 99, voilà, c'est le retour de Schumacher qui, dès le début, a planté les choses comme il fallait. Il était bien back, pole position, etc. Il est vraiment au retour en pleine forme. Alors, c'est une autre époque, hein, c'est-à-dire que, comme je disais, à l'époque, bon, les essais libres, il y en avait toujours, les essais privés, il y en avait plein, c'était illimité. Donc, Schumacher, pendant sa convalescence, dès qu'il a pu être un peu remis sur pied, il a pu tourner, hein, son retour, donc c'est pas extraordinaire que dès la première course, il soit au top. Alors on va dépasser la Stewart pour la 12e position.
Et du coup, voilà, donc dès le début, bon, bah, que le patron est là, sauf que, bah, il faut aider Irvine, quoi, parce que Irvine est en lutte avec Kylian au championnat. Et, alors, ça fait deux fois que je fais la même erreur. Voire impossible d'échapper au bac à sable. Et du coup, bah, jouer de faire valoir pour Irvine. Les rôles sont inversés. Un peu comme Salo a pu le faire pour Irvine pour les Grands Prix précédents. Et il va aussi y avoir une affaire, alors peut-être peu de gens s'en souviennent, mais une affaire, parce que les deux Ferrari vont remporter la course, ça va être quasiment un doublé, il me semble. C'est que bah, la Ferrari, en fait, elle va être illégale. Il va y avoir le déflecteur qui va être un petit peu trop haut, il me semble, ou trop long. Et c'est jugé comme illégal. Mais, alors là, n'étant pas de la FIA, ça sera très difficile de trouver la raison. On peut évidemment supputer énormément de choses, pour des raisons peut-être de l'intérêt du championnat, parce qu'il faut savoir que s'ils avaient disqualifié les deux Ferrari, Kylian était champion. D'ailleurs, si vous regardez une rétrospective 199, la tête qu'ils font chez McLaren quand ils apprennent que la Ferrari n'est pas légale, niveau règlement, bah ils se disent soit on se retrouve, il faut qu'on lutte jusqu'au bout, soit on est déjà champion en fait. Mais en fait non. L'équipe va pas être... pas être disqualifié, il va rien se passer. Et du coup, eh ben, on aura la course au titre pour Suzuka en 99. Mais voilà, ça a été vraiment la grosse inconnue pendant tout le week-end, la fin du week-end, et finalement ça a été statué. Et je me souviens à l'époque, puisque je suis déjà F1 évidemment à cette époque, en tant que gamin, moi qui étais plutôt pour Hakkinen, j'arrive pas à prendre ces virages, moi qui étais plutôt pour Hakkinen, bah, franchement, je me suis dit, là il y a peut-être moyen d'avoir Hakkinen champion, enfin moi j'étais plus ou moins content de cette manière. Bon après, on est enfant, hein, donc effectivement, on voit les choses. Plus simplement. Et voilà, donc du coup ce Grand Prix avait été remporté quand même par les deux Ferrari. Bon, je doute quand même qu'un petit bout de déflecteur ait vraiment changé toute la physionomie des Ferrari et du coup la victoire, hein, mais bon, l'absolu c'était le règlement et ça aurait dû être appliqué. Et on va dépasser la Sauber, 9ème place, c'est bon, on remonte. Ça va, il reste encore 7 tours à faire. Le circuit est assez long, mine de rien, c'est pas un circuit très, très court. Donc ça va être une course qui va être assez longue. On va essayer de remonter hein, sur le paquet devant nous. Donc Irvine, Hakkinen, Schumacher... Cool. Eh non, Schumacher était intégré, donc j'ai dit de la merde. En fait, vraiment, le jeu a été mis à jour. Ok. Bon, bah ok, c'est-à-dire que le jour de l'inversion du jeu a été fait avant le Grand Prix de Sepang. Donc finalement, le jeu est sorti assez tard. Je me souviens d'avoir reçu un jeu ce jour, on l'avait offert, d'ailleurs c'était même pas mon père qui m'avait offert cette fois-ci, c'était mon grand-père. Et j'ai souvenir d'avoir reçu assez tôt dans l'année. Effectivement, j'étais persuadé que c'était avant l'avant-dernière course. Mais soit. Donc le jeu était bien à jour. Ok. Cela pourrait bien relancer la course. Ah. Un abandon devant ou derrière, enfin je sais pas trop, pour moi on est toujours 9ème, donc on a dit c'est plutôt derrière qui a eu l'incident. Alors l'IA est quand même assez forte, hein. Mine de rien je remonte, mais c'est pas non plus poignée de seconde par poignée de seconde. Ça a été le cas sur beaucoup de circuits, mais alors ici pas du tout. Ah bah Keo est à 2 secondes. Ah, j'aime bien cet enchaînement gauche-droite aussi, assez rapide. On est revenu quasiment. Bon, il fait gris, mais il devrait pas pleuvoir sur le circuit. C'est qu'on n'a pas trop eu de pluie, je crois qu'on a même pas eu, j'ai déjà oublié. Je crois qu'il n'y a pas eu de pluie. Alors on va essayer de remonter, je pense que c'est le Williams hein, qui est devant nous. Allez, il reste la moitié de la course pour revenir. Eh, il reste du chemin quand même. Hein. Alors que Hakkinen a dépassé Irvine. Et le but c'est de marquer plus de points que McLaren. Et ça risque d'être très très cool. Ah oui, c'est une Ferrari d'ailleurs qui a perdu une place, c'est pas Irvine justement, vu qu'il a perdu une place dans la ligne droite. Bon ben ça c'est coup de théâtre déjà Ferrari, j'en préfère que ce soit une McLaren. Mais bon, on va pas tout avoir non plus. Va-t-il réussir à le dépasser? Faut vraiment pas que je fasse d'erreur, c'est pas le moment. Oh là Williams, c'est sur le côté. Il va peut-être me toucher, non c'est bon. Parfait, belle remontée, on a les deux Jordan maintenant. S'il
profite de l'aspiration, il pourra se lancer. Ok, beau dépassement sur. Je pense que c'est sur Hill, peut-être Frenzel. Je sais pas trop, difficile de reconnaître le casque, je dirais que c'est peut-être Frenzel. Eh non, Frenzel est devant. Donc on est remonté en 5ème position. Bon, là je pense que c'est bon. Là on est revenu dans la course. On a mis course, on est déjà revenu dans le groupe de tête. On va voir maintenant si on peut remonter sur les deux McLaren qui n'ont pas eu de problème. J'accélère beaucoup plus fort, où j'ai failli toucher la Jordan. Ouais, on est côte à côte, profitez-en de la Jordan, on ne la verra pas souvent. Par contre, c'est ici où ça va être compliqué, parce que j'ai l'impression d'être assez lent dans ce virage. Pourtant, non, ça va, c'était vraiment au freinage du premier tour, j'étais à l'agonie. Allez, on va déplacer la McLaren, je pense que c'est Coulthard. Je vois David marquer, on a fait le meilleur temps autour. Ouais, c'est bon. Oh non, il insiste. Et là, il y a McLaren qui joue le titre aussi, hein. ils vont se défendre. Maintenant, Schumacher, Zanardi. C'est-à-dire là, c'est vraiment pas comment ouvrir par contre. Il a encore fait une erreur, c'est bon, ça aurait pu être pire. Aïe aïe aïe. On est encore dans l'objectif, hein, mais ils ont vraiment pris de l'avance. Hein. Oh non! Oh ça y est, il est dans le sable! Je suis revenu juste devant la Jordan. Mais là par contre, j'ai perdu beaucoup de temps. Je me suis trompé de secteur en fait dans la courbe, et du coup, je suis allé trop vite. Allez, on va réaccélérer. On va voir les écarts du coup. Alors Hakkinen, Irvine, Coulthard, donc c'est. Oui donc je suis un qui a abandonné, ouais, une première et troisième c'est compliqué. Alors là ils vont reprendre beaucoup de points. C'est pour ça qu'il va vraiment falloir qu'on dépasse au moins une des deux McLaren. Je suis allé un petit peu à l'intérieur. Ah, ils sont rapides devant, hein. Vraiment. Regardez les creux, regardez sur le circuit la différence. Il a été top tout le week-end et a vraiment mis toutes les chances de son côté. Encore une fois, hein, y a rien à faire. Dérapé, il est sorti de la piste pour sortir. J'ai vraiment du mal dans ce double virage. Ouais, 3 secondes 7, 2 secondes 4, je perds du temps sur Coulthard. Faut vraiment que là dans les prochains tours je fasse pas d'erreur, parce que si je continue de faire, je pense, une erreur encore, c'est terminé. Là je pourrais pas remonter. Alors on entreperçoit au loin, hein, quelques pixels, c'est la McLaren. Ah, c'est bien, ça veut dire qu'on revient. On fait plus qu'en revenir là, on a recollé le paquet. Alors moi qui ai une voiture qui a un problème. Il réduit l'écart, il est... Alors là j'ai pas compris. On va dépasser Coulthard. Il vient de réaliser une incroyable... On va en profiter pour le tasser, ouais, légèrement quand même. Et on va aller chercher maintenant la Ferrari. Ok. Ah bah là d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont vraiment... Oh! Oh la Ferrari qui s'est arrêtée quoi, mais vraiment. Est-ce que Ferrari aurait été payé pour que Minardi ne remporte pas le titre? Jalousie avec la petite équipe. Non, évidemment, c'est pas du tout le cas. Mais ça serait marrant d'ailleurs. Ça serait drôle d'ailleurs qu'un jour, ça va jouer parce que Minardi n'existe plus, mais. Que ça aurait été drôle. Ouais, je me loupe. Que Ferrari fasse blocus pour aider les McLaren à remporter le titre pour pas que Minardi, l'équipe qui n'a pas de moyens, fasse mieux qu'eux. Ça serait assez cocasse quand même. Ah, McLaren va prendre le meilleur. Là, je pense que là, c'est chaud. Là, c'est chaud parce que franchement, la moindre erreur, là, ça...
La moindre erreur, je suis mort. Et en plus, il est en train de s'éloigner, Kinen. J'ai réussi à la passer, et malheureusement, ça s'est mal passé à la suite. Et à l'accélération. Ouais, c'est bon, ça va passer. Il a réussi à le dépasser. C'est bon. Allez, à nous deux Irvine, en espérant qu'il ne fasse pas le même coup que tout à l'heure. Ah, c'est bon, leur accélération, ça va le faire. S'il profite de l'aspiration, il pourra se lancer cette fois. Et il y va, il prend l'aspiration, la ferrite est un petit peu plus rapide, malheureusement. Allez, on y va. Plus de secondes. Il remonte rapidement derrière lui. Ouais, je coton coupé, c'était pas prévu. Bon, j'ai pas gagné de temps, hein. Vraiment. Oh, regardez comme il est au ralenti dans ce virage, incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi ils sont super lents dans ce virage. J'ai envie de dire, si je suis malin, je reste derrière la McLaren, j'attends ce virage pour le dépasser, mais bon. Si on peut éviter de prendre des risques jusqu'à la fin. En tout cas, c'est parfait, il y a une Ferrari qui est entre les deux McLaren, ça va enlever des points pour le team anglais. Parce que là, s'il termine deuxième et troisième, et que je gagne la course, bah en fait, je gagne 0. Puisque je vais marquer 10 points et ils vont marquer 10 points. Donc si la Ferrari reste entre les deux, surtout qu'elle peut marquer moins devant Coulthard. Et voilà, je suis loupé. Avant de penser aux 10 points, je pense que déjà je pense que je gagne la course. Je suis complètement loupé. Je vais arriver. Je sais pas pourquoi, je sens que là, la pression est en train de monter. La Ferrari reprend du poil de la bête d'un coup. Allez, c'est le dernier tour. C'est le dernier tour où il a essayé de m'esquiver. A nous deux maintenant, Kinen. Oh, la McLaren est passée. La McLaren est passée. Allez, il faut espérer que la Ferrari redépasse parce que là c'est fini sinon. Je sais pas pourquoi je coupe. Bon, normalement, si je gère bien, il va ralentir. Et non, il a pas trop ralenti par contre cette fois-ci. C'est bizarre, hein, l'IA est quand même des fois pas très cohérente. Bon, on est premier. Et la Ferrari est revenue. Parfait. Alors on compte sur toi, Irvine, pour grappiller des points sur McLaren. Non, le double droit, je ne loupe pas comme tout à l'heure, ça c'est sûr, on va faire attention. Ok. On va éviter de regarder trop le rétroviseur, enfin en tout cas la vue arrière. Ok, parfait. Bon allez, si tout se passe bien, on devrait gagner, et du coup on devrait reprendre un point, un point seulement, hein, sur McLaren, et je crois que ça sera pas suffisant d'ailleurs, mais bon, on va aller jusqu'au bout. Ouais, Eric a terminé 3ème. Et donc victoire dans ce Grand Prix de Malaisie, alors ça s'est quand même joué pas grand chose, hein. Franchement, une bêtise près, c'était terminé. McLinen, Irvine, Coulthard, Frenzen, Hill. Ouais, du coup, au niveau championnat, on va voir, mais je pense que c'est fichu parce qu'il faudrait que je marque plus de points. Plus de points pour monter. C'est pas le un petit point. Alors, c'est vrai que le fait que Schumacher ait abandonné, ça a pas aidé non plus. Donc, ont abandonné, je pense. Je sais pas, il y a deux Prost, Margené 18ème, donc je me demande si les deux Prost n'ont pas abandonné non plus. Les Jordan qui marquent des points. Monine aussi, et puis c'est tout, tout simplement. Alors, au classement course pilote, bon, on est champion, on le savait, 108 à 70. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le championnat constructeur. Et vous pouvez voir qu'au championnat constructeur, alors c'est pas mort, puisqu'il y a 8 points d'écart, mais il faudrait une hécatombe, mais vraiment, hein, il faudrait qu'on gagne la course. Que le meilleur des McLaren finisse 5ème ou 6ème. Je peux vous dire que là, à mon avis, c'est complètement mort. Mais bon, on va quand même essayer. En tout cas, on est toujours devant Ferrari. Et ça, c'est parfait, parce que du coup, on a une semaine qu'on était derrière Ferrari, et là, on est repassé devant. Donc,
On reste deuxième, on va essayer de conserver la deuxième place au minimum, et si on peut essayer de rapier sur McLaren, ça sera toujours ça de prix. Je vous dis à la prochaine pour la suite et la fin normalement du championnat. Championnat 99, normalement qui aura lieu à. On a quand même chargé, histoire de vous montrer. Normalement, bah c'est Suzuka, hein, il n'y a pas grand chose à rajouter. Et on sait jamais. Voilà, Suzuka. On se retrouvera donc à Suzuka. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.